Oh, je suis un fantôme. Aïe, mais Nico, on sait que c'est toi, arrête. Tais-toi. C'est Halloween, laisse-moi m'amuser. Oh. Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon édition Halloween. Et on va s'ouvrir des boosters Halloween. Donc franchement, je suis super content parce que c'est le mois de Halloween. Et comme c'est le mois de Halloween, et ben on fait la décoration Halloween. Et puis c'est tout les gars. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va s'ouvrir ce petit pack de 40 boosters Halloween. Je suis super content. Dédicace à mon poteau Pokéjab qui m'a envoyé ça direct du Canada. Je suis super content. On va découvrir ensemble du coup les cartes qui se jouent à l'intérieur, qui se cachent à l'intérieur. Parce que c'est vrai que je suis curieux de voir l'extension complète, à quoi elle ressemble. Et puis surtout, bah, comme c'est Halloween, j'espère qu'on aura du banger. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Yeah! Oh là là, magnifique! Toute une ribambelle. Oh, les boosters sont incroyables. Eh, mais ils sont magnifiques. Sans déconner, ils sont magnifiques. Hop! Regardez-moi ça. Sérieux, ils sont magnifiques. Déjà, je vais en garder un pour la collection. Je vais en mettre 5 de côté pour offrir. Voilà, à des gens de mon entourage. Et on va s'ouvrir du coup 35 boosters Halloween. Et bah écoute, c'est parti. Let's go! Allez. Litwick. Mucro. Et on a... Oh! Directement le magnifique Mewtwo Halloween qui est très très beau. Une très belle carte. Franchement, ça fait plaisir d'avoir cette petite carte là. Allez, Spinarak. Nikit. Mimiki. J'aime beaucoup cette petite carte. Mimiki. De toute façon, si Mimiki ne fait pas partie de l'édition Halloween, je comprends plus rien. Allez, le petit Hosley. Oh. Ok. Magnifique. Un petit peu abîmé là, c'est dommage, elle a pris un coup là. Ouais, franchement, ça fait super plaisir d'ouvrir d'ouvrir une petite exclu canadien qu'on n'a pas en France. Ça change un peu de ça change un peu des boosters et des ouvertures qu'on fait d'habitude quoi. Yeah, le petit Fantominus. Tiens, t'as failli me faire mourir toi là. Les amis, qu'incroyable, je vous jure, j'ai failli mourir. C'était quand? C'était il y a 2 jours. J'étais en train d'attendre mon bus à l'arrêt de bus en fait. Je partais faire je sais plus quoi. Et en attendant mon bus, j'étais le petit Darkrai qui est magnifique, franchement qui est magnifique. Et j'étais en train d'attendre mon bus tranquillement. Et je sais plus, je regardais une vidéo, je me rappelle plus ce que je faisais. Je vous jure, j'ai entendu un bruit. Mais un bruit comme jamais j'ai entendu dans ma vie. Juste à 2 mètres de moi. Mais vraiment, je me suis demandé ce qui se passait en fait. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Yeah, le petit Lugulabre. Qu'est-ce que c'était que ce bruit qui venait de se passer juste derrière moi? Mais comme un tremblement de terre. Mais vraiment, il y a eu un tremblement de terre juste derrière moi. Et en fait, en regardant du coup derrière moi, le petit sort silence magnifique, en regardant derrière moi ce qui venait de se passer, un arbre, mais je vous jure, un arbre de, je sais pas moi, 40-50 mètres de haut s'est déraciné et il est tombé à 2,50 m de l'arrêt de bus, juste derrière l'arrêt de bus. Je vous jure, la peur de ma vie que j'ai eue, mais incroyable. J'ai eu une peur. Je me suis vraiment demandé ce qui se passait. Et heureusement, voilà, l'arbre
s'est déraciné à 2,50 m, 3 m de moi, et heureusement il n'est pas tombé sur l'arrêt de bus, mais il est tombé dans la résidence en fait. En touchant un peu l'immeuble, en touchant même carrément l'immeuble, il a tapé sur l'immeuble en premier, puis après il est tombé sur le côté. Mais ouais, incroyable. Incroyable. Franchement, j'ai eu vraiment peur. Mais je suis là, voilà, le dieu des Pokémon m'a encore une fois sauvé la vie. Allez, on y va. On a toujours un peu les mêmes cartes là. Athéna. Ok. Oh, magnifique. Magnifique. Le petit Horsley. Encore Mimiki. Ok, encore un petit Lugulabre. J'aurai sûrement des cartes. Bah de toute façon oui c'est sûr. Je vais avoir des cartes en trop. Donc si jamais certaines personnes souhaiteraient échanger quelques cartes que j'ai en double contre d'autres cartes, c'est avec grand plaisir puisque je vais en avoir sûrement plusieurs en double. Comme la petite Mewtwo. Voilà, qui est très très belle. Franchement, c'est une très belle carte. Donc je pense vraiment en avoir en double. Allez, 16e booster. Encore un Mewtwo. Et je vous l'ai dit, franchement, cette carte, en plus, elle est incroyable, elle est magnifique. S'il y a des personnes qui veulent échanger contre d'autres cartes, c'est avec grand plaisir. Oh! Ectoplasma, il est magnifique, cette carte est magnifique. Cool. Allez. Ok. Encore un Mewtwo. Décidément, le Mewtwo, il tombe souvent. Allez, les amis, on va ouvrir encore 10 boosters. Parce qu'après, j'en garde quelques-uns pour la collection. Donc, on va ouvrir encore 10 boosters. Yeah, le petit Darkrai, encore une fois. Ça serait bien d'avoir d'autres holographiques différentes. Ok. Ok. Encore un petit Lugulabre. Oh là là, sort silence, c'est dommage. C'est toujours les mêmes holographiques qui ressortent. Alors par contre, c'est juste un truc que je comprends pas. C'est que c'est marqué en fait. Donc en fait, ça doit être. En fait, ils ont repris toutes les cartes de plein d'extensions. Ils ont repris toutes les cartes de plein d'extensions. Et du coup, ils ont juste rajouté le petit Halloween. Comme là, je pense que c'est la carte Horsley de style de combat. Vous voyez? Là, je pense que ça doit être la carte de Reine de Glace, tu vois, par exemple. Si je dis pas de bêtises, je pense que ça doit être ça, en fait. Donc, du coup, je sais pas combien exactement l'extension elle fait. Il faudrait que je me renseigne par rapport à ça en fait. C'est peut-être pour ça. Oh, Pikachu. Le premier Pikachu qu'on a eu. Magnifique, je suis trop content de l'avoir. Ça c'est le Pikachu d'évolution céleste en fait. Ça, celle-là je la reconnais, c'est sûr et certain. Donc j'avais raison les amis. En fait ils ont pris toutes les cartes de chaque extension et ils ont rajouté la petite tête Pikachu Halloween. Oh, je suis trop content, le petit Pikachu c'est le premier qu'on vient d'avoir. Ok. Bon, j'aurai plein d'holos à échanger si jamais ça vous intéresse. Encore Lugulabre. Allez. Let's go. Ok. Bon, c'est toujours les mêmes en fait. Alors, ça fait plaisir d'ouvrir
autre chose que ce qu'on ouvre en ce moment. Donc c'est cool, ça change un peu, ça fait plaisir. Je la trouve très belle cette carte. Franchement, en plus j'adore le petit Pikachu là en mode Halloween. Allez, c'est le dernier booster les amis. Le dernier petit booster de cette couverture puisque les autres je les garde. Et du coup, ok, et ok, d'accord. Récap time. Du coup, eh ben, on va faire le récap de toutes les holos qu'on a eues. Donc, par contre, on a eu énormément de doubles. Hein. Donc, j'aurai des doubles à échanger, comme je vous ai dit. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu tous les mêmes. Mais bon, ça fait plaisir. Celle-là, je la trouve vraiment trop belle. La petite, elle est magnifique. Ouais. Petite Darkrai est magnifique aussi. Bon, la Mewtwo, elle est, ah, c'est un banger. Ça fait plaisir de l'avoir en plusieurs fois. Comme ça, je pourrais en mettre une dans la collection et puis en mettre une dans, bah, avec les cartes Mewtwo. Bon, c'est un peu dommage, c'est toujours les mêmes holos qui ressortent. Je pense que je me suis pas renseigné sur la taille de l'extension, mais je pense que l'extension doit pas être très grande. Donc c'est pour ça que on a toujours un peu les mêmes holos qui ressortent, quoi. Et la dernière. Donc voilà, bah écoutez, c'était la petite ouverture. C'était la petite ouverture Halloween. En tout cas, pour ma part, le décor va rester comme ça pour tout le mois d'Halloween, puisque ça me fait plaisir que le décor soit comme ça pour Halloween. Je trouve que ça change un peu. À Noël, je fais le décor de Noël. À Halloween, je fais le décor d'Halloween. Bref, les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était Poké Killer. Restez toujours fan de ce que vous avez au fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.